Bonjour tout le monde, c'est Will. Comme vous avez vu, j'ai changé mon nom pour Will à la place de Dobox. Allô? La dernière vidéo, j'ai pas vraiment parlé, fait que j'ai pas pu vous le dire si vous l'aviez pas remarqué. Regardez, normalement c'est écrit Will à la place de Dobox, à moins que YouTube l'ont pas encore changé pour vous. Pour commencer cette vidéo, si vous avez envie de détruire votre enfance, restez. Première photo. J'ai pas besoin de vous dire grand chose, vous avez besoin de regarder, c'est genre la princesse, genre le dôme même. Ben, elle dit, ce dôme me fait sentir au pays des merveilles. Je pense que je vais être obligé de censurer la vidéo 18 ans et plus, même si j'ai même pas 18 ans moi-même. Ça commence vraiment dirt. Bon, maintenant c'est une photo avec Pinocchio puis une fille. J'ai oublié le nom de la fille, mais en tout cas, dans une émission. Ou un film. Bon, si vous entendez un petit singe parler, c'est mon frère en haut qui est pas capable de se faire ma gueule quand il joue à des jeux. Bon, passons tout de suite à la photo. Et non mais, je vais vraiment être obligé de censurer la vidéo. Dans le fond, moi je dis rien, le gars. Regardez juste la photo, je vous la mets direct là. Bon, prochaine photo. Ça, celle-là, je la trouve vraiment, genre, triste. Parce que c'est tellement vrai. En tout cas, regardez, je vous l'affiche à quatre ports dans l'écran. Dans le fond, c'est Dora qui dit « Pour récupérer la clé, j'ai besoin de ton aide. » Après ça, elle dit « Sauter et lever les bras. » Puis, en bas, ils font référence. Mais c'est pas drôle, mais c'est triste, là. Mais ils font référence à un handicapé qui regarde la vidéo sur une chaise roulante qui peut pas sauter, pis genre, il y a le pis... Bon, cette photo-là, y a rien à dire à part que Carlos a un terrible de nez. Non, non, je vous dis, hein, je vais vraiment être obligé de censurer cette vidéo-là pour 18 ans et plus, mais j'ai rien que 16 ans. Man, c'est genre... Vous comprenez l'image, je vous la mettrai là. Cette image-là, je pense pas qu'elle est dans une émission, un film ou whatever de votre enfance, mais ça m'a marqué pour des licornes, fait que je vous mets la photo. Bon, vu qu'on parle de licornes, on va continuer sur le sujet, je vous mets une autre photo de licorne direct. Prochaine photo. Disons que les habitudes se prennent jeunes. Je vous montre la photo. La prochaine photo a rapport avec Pokémon. Un magnéton, quelque chose. Je sais plus c'est quoi son nom. En tout cas. Je vous affiche la photo juste là. Dans le fond, vous voyez la petite vis qui dépasse, ouais. Regardez juste la photo. Je dis rien. On retourne dans la magie de Pokémon. Oh, mais je ne connais pas ce gros Pokémon. On va rester dans les environs de Pokémon, disons-le comme ça. C'était mon oiseau qui est comme parlait. On reste dans l'univers de Pokémon. Regardez juste la photo. Il n'y a rien à dire, vraiment. Bon, dans le fond, je vous laisse sur cette photo. J'ai rien d'autre à dire, à part que si vous voulez un épisode 2, écrivez-le en commentaire. C'est très possible, il reste beaucoup de photos qui pourraient détruire votre enfance dans mes archives. So, bonne fin de journée tout le monde.